Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une carte steampunk avec vous. Il y a longtemps que je n'ai pas fait du steampunk, donc j'en ai une à faire, alors je vais la faire avec vous, tout simplement. Donc j'ai préparé cette jolie petite demoiselle. Donc je l'ai un petit peu doublée parce que je l'ai imprimée d'après Pinterest, je l'ai imprimée sur du papier d'imprimante, donc pas assez rigide à mon goût. Donc une petite carte en craft sur laquelle je vais mater en noir et je vais mater avec ce papier-là. Donc déjà on va un petit peu foncer la petite dame parce que trop de blanc pour moi. Allez, on y va. Juste la teinter légèrement. On va faire ombrer les côtés. J'espère que je suis bien dans le champ. En principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc j'ai fait l'impression de cette petite dame, j'ai détouré au scalpel. Voilà, donc voilà pour elle. Je vais en profiter pour au bout. Alors, on va habiller un petit peu ceci. J'ai rebouché ça. J'ai de l'encre sur laquelle je vais tamponner un petit peu aléatoirement. J'aime bien faire des fonds de cartes comme ça. Voilà. J'ai celui-ci aussi que j'aime bien. Il est super sympa celui-là. Des petits ronds comme ça. Ceci. Alors ma petite demoiselle, je vais la mettre là, mais je vais y mettre des rouages. Alors j'ai un bout de rouage qui me reste là, très joli, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce petit là, un peu blanc quand même, un petit peu trop blanc à mon goût. Ça comme ça, bon, je vais le cacher un petit peu. Ça fait rien, je vais le foncer un peu lui. Peut-être le plus foncé. Voilà, on va coller ça comme ceci. Je vais des clés. Pareil, on va mettre des clés.
une petite clé comme ça. Et j'ai également, où est-ce qu'elles sont? J'ai ceci qui pourrait aller très bien aussi. Désolée pour le bruit. Je crois que je vais faire mon montage comme ceci. Sur la noiselle, je vais la mettre en surépaisseur. Alors, comme d'habitude, hein, je travaille, mais je ne suis pas très très bavarde. Vous m'excuserez. C'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de parler toute seule non plus, donc je ne suis pas toute seule puisque vous êtes là. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait du steampunk et je me rends compte qu'en fait c'est un style que j'aime beaucoup tout compte fait. J'aime beaucoup les effets de rouage, là ils sont superbes. Je vais acheter ça, je sais plus trop où. C'est vraiment génial. Alors ça par contre, je vais essayer de le mettre avec quelque chose qui va tenir. Du glossy accent. Bon, j'espère que ça va tenir. En principe, ça colle bien ça. Peut-être mettre une petite pince parce que j'ai l'impression que ça va pas coller correctement. Comme il est un peu tordu. Si elle va pas, on va prendre une autre. Je vais regarder où on en est. Bon, ça va, on a du temps. Donc, je vais en profiter pour mettre cette petite dame en 3D. Comme d'habitude, c'est le bazar sur le bureau. N'hésite pas. C'est de la mousse que j'ai acheté chez Action. Bon, elle est pas mal hein, pour ce genre de travail, c'est pas mal du tout.
glisser un petit peu là. Couper le coin. Voilà. Et voilà. Bon, est-ce que c'est collé mon affaire? Ça a l'air. Le glossy, c'est ça qui est bien avec. C'est que c'est assez rapide à la prise. Bon, après, bon, il y a un peu du brillant, mais c'est pas grave. Donc, la petite dame, on va la mettre là. J'ai une épingle là, elle est toute rouillée. Du coup, ma colle est rouillée aussi. Bon, quand c'est sur l'extérieur, c'est pas grave, hein, ça se voit pas. Ça, c'est pénible à décoller. Et encore, c'est pas le plus pénible, c'est les toutes petites là qui sont dures à décoller. Vous savez, les tout petits carrés. Allez. Donc normalement. C'est une carte que je fais pour le concours de Maryse. Donc vous le verrez ben, une fois qu'elle aura reçu ma participation, hein, bien sûr. Donc à l'heure où vous regardez, Maryse a déjà reçu ma participation. Peut-être l'a-t-elle déjà montré. Je ne sais pas. Probablement. Donc Marie, c'est la chaîne de briques et de broc. C'est un personnage, c'est vraiment un personnage Marie. Une chaîne que j'ai découvert il y a très peu de temps. Et franchement, c'est du pur bonheur. Elle est d'un naturel. J'adore. J'adore le franc-parler, naturel. Très rigolote. Allez, on te met comme ça, toi. Allez, hop. C'est fait, c'est dit. Bon, j'espère que les plumes ne vont pas s'envoler. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Bon, j'aurais peut-être pu mettre une petite fleur. Non. Une petite fleur. Voyons voir. Ça fait bizarre, cette feuille. C'est pas plus mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec un petit strass. Alors, le problème, c'est que les strass, ça va briller beaucoup de trop. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là dessus? J'ai du bazar un peu partout. Que je vais pouvoir y mettre. Ça va faire bizarre toutes ces couleurs là. À moins que. Non, ça brille de trop. Bon, bah celle-ci me convient. Elle reste très discrète. C'est pas.
là par contre, comment je vais faire pour l'attraper, parce que avec mes gros doigts, une petite goutte de glossy. Allez, non, tu veux plus. Oup, 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 oup. Alors les pommes, alors là maintenant j'ai la main lourde. Avec un petit bout de papier plutôt. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Laisser sécher. J'ai plus qu'à faire mon montage sur la carte. Allez, on y va. Bon, on peut y voir, je ne sais pas, c'est pas grave, on va prendre autre chose quand on a une carte. Décidément, je suis amoureuse de ce tampon. Qu'est-ce que je trouve joli? Voilà. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez contente de moi. Alors, c'est une carte. En fait, le concours, c'était faire une carte et un ATC assorti. Donc, j'avais déjà fait l'ATC. Vous voyez? Donc, nous sommes vraiment assortis. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans vos commentaires si ça vous plaît. Et puis, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Allez, bonne journée. Je vous embrasse. Au revoir.